Ce mercredi 21 septembre dans l'émission 6 à 7, Jean-Pascal Lacoste a donné des nouvelles de sa fille. Elle va très bien, elle dort, elle va faire 4 mois bientôt. Elle dort. Fantastique. La maman va très bien. A-t-il confié à Benjamin Castaldes. Face à ces révélations, ce dernier a semblé jaloux, lui qui vit des nuits bien plus agitées avec son petit Gabriel, né en 2020 de son union avec une certaine Aurore. Moi à 2 ans, il ne dort toujours pas, sauf dans mon lit. A révélé l'animateur. Un échange similaire avait déjà eu lieu entre les deux hommes il y a quelques mois, soit quelques jours seulement après la naissance de la petite fille. Il est jeune papa. Il me confiait avant l'émission que son enfant dort, avait déclaré Benjamin Castaldes, ce à quoi Jean-Pascal Lacoste avait répondu, elle dort très bien, je suis le plus heureux des papas. Une belle comédie romantique pour rappel, Benjamin Castaldes est le père de 3 autres enfants, Julien, né le 18 septembre 1996, et Simon, né le 20 avril 2000, fruit de son mariage avec Valérie Sapienza, et Enzo, né le 8 février 2004 de son union avec l'animatrice Flavie Flamand. Il est donc depuis papa d'un petit dernier, qu'il a eu avec sa femme Aurore dont il est fou amoureux. La jeune femme donnait récemment une interview à Télé Loisirs pour raconter sa rencontre avec l'ex-présentateur de Secret Story, une émission qui n'y est d'ailleurs pas pour rien dans cette histoire. On s'est rentré dedans un soir de prime, au moment où les candidats rentrent en plateau. On s'est bousculé et nos lèvres, comme dans une belle comédie romantique, se sont effleurées. Le lendemain, je reçois un petit texto de Benjamin Castaldes. Je me dis mais quest ce qu'il me veut? Qui a filé mon numéro à ce mec? J'ai ensuite lutté parce que je me suis dit, il ne faut pas. Il n'était pas libre à l'époque, a-t-elle révélé. Il était en effet en couple avec la journaliste Vanessa Broussoulou mais a finalement décidé de la quitter pour s'engager pleinement dans sa nouvelle relation avec Aurore. Depuis, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour.